Hello à tous, et là, dans cette vidéo, on va continuer sur le quadrilatère du fer, cette région exceptionnelle du Minas Gerais, au sud de Belo Horizonte. C'est la suite de cette vidéo sur l'histoire minière de cette région. On est ici sur un district métallogénique important, où on va retrouver une concentration unique de gisements d'or, de gisements de fer et de gisements de manganèse. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette région du point de vue géologique, on va utiliser ce papier qui est sorti en 2019. Et je vais commencer par la carte géologique que je vais superposer avec les vues Google Earth. Vous voyez, avec 5-6 couleurs, on arrive à décrire l'essentiel. Alors ici déjà, on est sur des terrains très anciens. Les formations géologiques, elles ont été datées et on est sur des âges entre moins 3 et moins 2 milliards d'années. On va commencer par le plus ancien. Et le plus ancien, c'est ce qui est en couleur crème. C'est un groupe de roches que l'on appelle les TTG. Alors sans rentrer dans les détails, retenez que les TTG, ici, ce sont des roches qui ressemblent à des gneiss. Elles sont de couleur plutôt claire, elles sont riches en quartz et en plagioclase. Et elles se sont formées essentiellement à l'archéen, c'est-à-dire entre moins 3,8 et moins 2,5 milliards d'années. Et ce sont des roches que vous allez produire quand vous êtes capable de faire fondre partiellement de la croûte océanique subductée. Alors ça, la fusion partielle de croûte océanique, c'est quelque chose que la Terre actuelle n'est plus capable de faire. Et cela depuis l'Archéen, car le manteau terrestre, il est devenu trop froid. Et ça, c'est important, car avec les TTG, vous construisez de la croûte continentale, vous fabriquez les premiers noyaux continentaux, et ces noyaux continentaux, très solides, très stables, ça va donner ce qu'on appelle les cratons. Et justement, là où nous sommes sur un craton. C'est le craton de São Francisco. Sur la carte, il a la forme d'une tête de cheval. Et en fait, c'est un craton qui a été coupé en deux lors de l'ouverture de l'océan Atlantique, puisque ce craton, à une certaine époque, il formait un seul et même craton plus grand. Et l'autre morceau, il est maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le craton du Congo. Et là, nous sommes juste au sud de ce craton de São Francisco, et ces TTG, elles ont été datées, et on est sur du 3,2 milliards d'années, c'est juste quelques centaines de millions d'années après l'apparition de la vie, entre moins 3,5 et moins 4 milliards d'années. Et sur cette carte, vous avez ce qui est coloré en vert. Alors ce sont des formations que l'on va regrouper dans ce que l'on va appeler le supergroupe de Rio das Velhas. Rio das Velhas, cela veut dire rivière des vieilles. Et il y a du vert foncé et du vert clair. Vert foncé, c'est le groupe de Nova Lima, et vert clair, c'est le groupe de Mackinac. Et ces formations géologiques, Nova Lima et Mackinac, elles reposent sur le socle des TTG. Alors sur ce document, la couleur verte, elle n'a pas été choisie par hasard. Ces formations géologiques, elles forment ce qu'on appelle des ceintures de roches vertes. En anglais, cela donne des greenstone belts. En effet, ces formations, ce sont des roches métamorphiques, volcaniques et sédimentaires. Et elles vont contenir des minéraux métamorphiques, comme la chlorite ou l'épidote, et c'est ce qui va leur donner une couleur verte. Alors, je vais utiliser un autre document pour expliquer l'histoire géologique de la région. C'est ce document. C'est un log synthétique. Et d'emblée, on voit déjà que l'histoire, elle va couvrir une longue période de plus d'un milliard d'années. Sur une période aussi longue, on imagine bien qu'il va se passer des tas de choses. Et une histoire géologique, ce sont des alternances de périodes où on va créer des chaînes de montagnes, ce sont des périodes de collision de plaques tectoniques, c'est ce qu'on va appeler des périodes d'orogenèse. Et ces périodes d'orogenèse, cela va alterner avec des périodes d'ouverture océanique, et cela va créer des bassins sédimentaires dans lesquels on va pouvoir accumuler plusieurs milliers de mètres de sédiments. Eh bien, c'est ce que raconte ce document. Les zones colorées, ce sont les périodes sédimentaires. Et puis, vous avez des zones blanches, vous en avez trois, là, là et là. Et ça, ce sont des périodes d'orogenèse, de formation de chaînes de montagnes. Et là, si c'est blanc, c'est soit parce que vous n'avez pas eu de dépôt, soit parce que vous avez eu de l'érosion. Alors, revenons sur les périodes du supergroupe du Rio das Velhas. C'est une importante formation volcano-sédimentaire qui a été métamorphisée. Et cela repose en discordance sur le socle de TTG. Là-dedans, vous allez retrouver des formations détritiques, des formations anciennement argileuses, des métapélites, des calcaires métamorphisés, c'est-à-dire des marbres, et des bifs, les Banded Iron Formations. En français, cela donne des formations de fer rubanées. Ce sont les bifs qui vont être exploités comme minerais de fer. On en parlera plus tard. Et avec ces formations sédimentaires, on va retrouver aussi des formations volcaniques, avec notamment des comatites, ces coulées de lave ultra-basiques qui se mettaient en place à l'époque de l'Archéen.
On en parlera plus tard aussi. Donc voilà, les cuvettes, ce sont les TTG, le socle, avec sa couverture volcano-sédimentaire métamorphisée, Nova Lima et Mackinay, la ceinture de roche verte. Et là, je présente la petite coupe très schématique qui explique comment les choses étaient il y a près de 2,8 milliards d'années. On a des cratons, c'est-à-dire des noyaux de croûte continentale en cours de croissance par accrétion de magma TTG. Et en même temps, nous avons une accumulation de ces formations supracrustales dans des bassins océaniques sédimentaires. Puis sur la carte, nous avons ce qui est en couleur marron, c'est ce qui forme les montagnes. Et ces formations, elles portent bien leur nom, puisqu'elles sont rattachées au supergroupe appelé le Minas Supergroupe. Autrement dit, le supergroupe des mines. On ne peut pas être plus explicite. Minas Supergroupe, c'est du paléoprotérozoïque et ce sont des formations supracristales qui ont été métamorphisées. On va parler de formations supracristales car elles reposent au-dessus de la croûte, au-dessus du socle de TTG formé à l'archéen. On va y retrouver des formations sédimentaires mais aussi des formations volcaniques. Et dans ce supergroupe, on va distinguer plusieurs groupes. Je passe rapidement sur les détails. Et pour commencer, vous avez Carassa. Ce qui signifie « grand visage », c'est-à-dire un lieu, une falaise, pouvant être assimilée à une tête. Et dans le groupe de Carassa, on est dans des formations détritiques. Cela commence par des conglomérats et des sables alluviaux, puis cela se termine par des pélites marines, c'est-à-dire des sédiments fins, argileux, de faible profondeur. Puis nous avons le groupe Itabira. Itabira, ce qui signifie « pierre brillante » dans la langue des Tupis. Et Itabira, ce sont des formations sédimentaires de nature chimique cette fois. Et c'est là-dedans que l'on va retrouver des argilites contenant de la dolomie, des calcaires et surtout des formations de fer rubané qui vont être exploitées. Ce sont ces fameux bifs de la formation de Koi. Enfin, nous avons la formation de Piracicaba. Piracicaba, dans la langue des Tupis, cela signifie le lieu qui bouillonne de poissons. Et Piracicaba, cela va être des dépôts volcanoclastiques, des turbidites et des conglomérats. Et enfin, nous avons la formation de Sabara. Alors Sabara, cela signifie l'endroit où il y a des pierres. Sabara, ce sont des formations volcano-sédimentaires qui indiquent la proximité d'une marge active avec des volcans. A noter aussi la présence de formations glaciaires, des diamictites, c'est-à-dire des dépôts détritiques mal triés et de granulométrie très hétérogène, autrement dit des moraines qui ont été laissées sur place par des glaciers. C'est la fameuse glaciation huronienne, une glaciation énorme à l'échelle mondiale, qui fait suite à un autre événement majeur dans l'histoire de la Terre, c'est la grande oxydation qui voit les océans et l'atmosphère s'enrichir en oxygène grâce à l'activité photosynthétique des êtres vivants. Pour résumer, le supergroupe Minas, ce sont des formations sédimentaires d'une marche passive qui a fonctionné entre moins 2,6 et moins 2,1 milliards d'années. Après le supergroupe Minas, on a les formations du groupe Itacolomi. Alors, Itacolomi, dans la langue des Tupis, cela signifierait « garçon de pierre ». Et avec le groupe Itacolomi, on a de nouveau un cycle sédimentaire, une ouverture de bassin, avec des dépôts de roches détritiques. Voilà, pour résumer l'histoire géologique de cette région, on va reprendre une série de cartons de cette bande dessinée. Au début, avant 2,7 milliards d'années, on a des dépôts de formation du supergroupe Rio das Velas dans un bassin océanique en cours de fermeture, et nous avons une production de magma TTG qui vont participer à la consolidation du craton de São Francisco. Et vers 2,7-2,8 milliards d'années, nous avons une orogenèse, une collision continentale avec formation d'une chaîne de montagnes aussi haute que l'Himalaya. Ici, vous surépaississez la croûte, mais ce faisant, vous construisez dans le cœur de la chaîne de montagnes une zone riche en éléments radioactifs d'uranium, thorium et de potassium. Et là, ça se met à chauffer. Et le cœur de la chaîne de montagnes, il devient mou. Et sous l'effet de la surcharge des milliers de mètres accumulés de couverture constituée par le supergroupe Rio das Velas, la chaîne de montagne, elle s'écroule. C'est ce qu'on appelle un écroulement post-orogénique. Les modalités sont encore très discutées, mais cela donnerait quelque chose comme ceci, qui ressemblerait à une boîte d'œufs, c'est-à-dire une succession de creux et de bosses. Et dans les bosses, vous avez le socle qui affleure, et dans les creux, vous avez les formations du supergroupe Rio das Velas qui sont conservées. C'est un écroulement et c'est comme une pièce de pâtisserie montée, ratée, qui s'écroule sur elle-même. Et là, c'est pareil. La croûte continentale, encore chaude et visqueuse, elle s'étale comme cela.
Comme la base de la croûte est encore très chaude, elle va se mettre à fondre partiellement, et ça, cela va générer des magmas acides riches en potassium, et cela va donner des granites riches en potassium. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais cela va donner ces plutons granitiques qui sont intrusifs dans les gneiss TTG. Et puis après cette orogenèse, vous avez un nouveau cycle sédimentaire qui recommence avec ouverture d'un grand bassin océanique entre un craton São Francisco et un craton Congo. Et là, on dépose les formations du supergroupe Minas. Cela commence par la sédimentation détritique du groupe Carassa. Puis ensuite, vous avez la sédimentation chimique du groupe Itabira avec les bifs. Mais avec les groupes Piracicaba et Sabara, vous avez un important changement géodynamique qui commence à s'opérer. Le bassin est de nouveau en phase de fermeture et là se développent des arcs volcaniques. On envisage un arc volcanique continental comme la cordillère des Andes ici et un arc volcanique océanique comme le Japon ou les Philippines ici. Puis c'est la grande collision continentale, une nouvelle orogenèse avec des plis et des chevauchements, avec une croûte continentale qui redevient chaude et molle, et cette chaîne de montagnes, elle s'étale. Et dans les creux développés dans cette chaîne qui s'écroule sur elle-même, vous allez former des petits bassins intramontagneux dans lesquels vous allez pouvoir accumuler les dépôts sédimentaires détritiques grossiers du groupe Itacolomi. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela, de cette longue histoire géologique de l'Archéen jusqu'au Paléo-Protérozoïque ? Eh bien déjà, vous êtes à une période charnière, où la surface de la Terre passe de conditions réductrices à des conditions oxydantes, avec la grande oxydation. À partir de cet événement, la Terre ne sera plus capable de produire ces méga-gisements de bif, j'expliquerai cela pourquoi plus tard. Et enfin, cette histoire géologique, elle fait intervenir une suite de grands événements géodynamiques, d'ouverture d'océans et de formation de chaînes de montagnes. Cela va impliquer des flux d'énergie gigantesques, des déplacements considérables de magma et de solutions hydrothermales. Et c'est cela qui va mobiliser la circulation des éléments chimiques, comme les métaux, et leur piégeage dans des gisements. On expliquera cela plus tard. Ici, on a juste présenté la toile de fond qu'on retrouve dans d'autres grands pays producteurs miniers comme l'Australie, l'Afrique, le Canada ou la Russie. À bientôt !